C'est le dieu barbare de la baston. Chrom, des mandales, des ch'tars, des nions. Oh, 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 Chrom, assis en haut de sa montagne. Quand les guerriers meurent, ils ricanent. Chrom, devenu dieu de ses propres mains. Chrom, avec des techniques de bourrin. Oh, 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 Chrom, il a soloté tous les donjons. Sans armure et sans pantalon. Stratégie, diplomatie. Chrom n'a jamais rien compris. C'est baston et voilà. Chrom, on en parle en mangeant du poulet. Chrom, dans les campements qui sentent les pieds. Oh, 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 Chrom, on le prie mais il n'écoute pas. Massacré à tour de bras, écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi. Chrom sait ce qu'il veut et voilà. Chrom a les bras comme des cuisses de taureau. Chrom n'utilise pas trop son cerveau. Chrom a traversé la mer en nageant avec son glaive entre les dents. Chrom a coupé la tête au Léviathan. Chrom a fait pleurer la Bonjour à tous, ici votre tavernier et bienvenue pour un nouveau stream sur Sekiro Shadows Die Twice. Très mauvaise idée de streamer aujourd'hui sur ce jeu, très mauvaise idée. Sachant qu'il y a la moitié de l'univers qui a obtenu des clés de Elden Ring, de la bêta fermée de Elden Ring.
Autrement dit, le dégoût est présent. Moi, j'en ai pas eu. Envie de crever. Envie de crever. Je savais même pas que c'était possible d'avoir une. Voilà. Bref. Bref, du coup, on se retrouve pour la fin de Sekiro. Voilà. Avec la musique. On se retrouve pour la fin, je l'espère, de Sekiro. Très bon jeu, Sekiro. Bon, plus facile que les autres jeux de From Software, mais il n'en reste pas moins. Très très cool. Et du coup, les votes sont terminés. Sur Twitter. Donc le prochain jeu a été décidé. Ce sera Age of Empires 4. Ah, parfait. On va souffrir comme Jaja. On va souffrir comme Jaja sur ce jeu. Moi, Age of Empires, je suis très très mauvais. Alors, déjà que sur Total War, je suis pas très très fort, alors que le jeu, ça fait des années que je le pratique. Alors imaginez sur... Imaginez sur ça. Bon, du coup, on s'était rendu compte que, évidemment... Putain, j'ai la manette. Il va me falloir une autre. Il va falloir que j'achète une manette. Hein. Je suis dégoûté. On s'était rendu compte que... Kuro-sensei... C'était encore fait une fois capturé et qui se trouvait aux alentours d'Ashina, près de la zone de départ du jeu, là après les Douva. Sauf qu'on se rend compte aussi qu'aux alentours d'Ashina, on peut pas y aller. Donc c'est parti pour réexplorer tout ça. On va réexplorer et sans doute finir le jeu aujourd'hui. Probablement, peut-être. Et moi, vous voyez, Eldering, franchement, j'aurais eu la bêta. Je l'aurais faite, hein. Mais... Attends, qu'est-ce que j'ai fait, là? Il est où? Pourquoi il y a de la lave? D'accord, je peux pas sauter. Donc, je n'ai pas droit au bonheur. Je n'ai pas le droit de passer par là. Donc le plus proche pour aller à Ashina, c'est ici. Ici où on va entrer. Bon, on va démarrer à la tour. The Tower. Faut tout récupérer à nouveau. Franchement, je l'aurais fait, mais... Un peu dégoûté, quoi. Un peu dégoûté de ne pas pouvoir le faire et j'aurais été un peu dégoûté de le faire aussi. Parce que moi, en général, les jeux, je n'y joue pas en bêta. Ah ouais, d'accord. C'est le feu partout. Tous les ninjas sont morts. Ça ne fait pas de peine, ça. Vous avez vu, il y a un truc à récupérer là-bas. Intéressant. Là, normalement, il y a un feu de camp. Oui, je voudrais communier avec ce feu de camp. Alors, voyons voir. Il y a toujours les ninjas dedans. Que j'avais cette technique. Alors en bas, c'est pas le même type d'ennemi, hein. Tu remarques.
des petites boulettes. Lui, il a des yeux rouges. Ah putain, c'est un mini-boss. Faut vite que je l'élimine. Ok. Attention. D'accord. Bonjour avant tout, hein. Oh là là. Alors si je fais pas des parades parfaites, je les bouffe, hein. Si je fais pas les parades parfaites, il passe au travers de ma défense, hein. Mais putain, Tord ! J'ai les boules, j'ai les glandes. Faudrait aussi qu'on retourne voir l'enfant de je sais plus quoi, là. L'autre. Le gamin. Faudrait qu'on retourne voir le... L'enfant dragon, le faux enfant dragon, là, je sais plus comment il s'appelle. Machin. Ah, ça c'est fait. Allez, maintenant le mini-boss. Et de 1. Ça c'est fait. Et on a une perle. Je pense que c'est la dernière. C'est la dernière des perles qui nous manquait très certainement. Des petites boulettes. Et un coffre ici. Parchemin noir. Un vieux texte décrivant une lame de la mort noire. En plus de la lame de la mort rouge, il existe une noire. Son nom signifie porte ouverte et on dit qu'elle peut ouvrir un passage vers le monde des profondeurs. C'est grâce à sa puissance que l'on crée la vie. Je vous en supplie, faites des offrandes de sang au dragon. Peut-être donner ça au gosse. Hein.
Ah, ils ont refait le pont. Donc si je veux atteindre de l'autre côté, les alentours d'Ashina, faut que j'aille sur le pont. Après, pourquoi aller aux alentours d'Ashina? Pourquoi est-ce que j'aurais envie d'aller aux alentours d'Ashina? L'autre là, il croyait m'embusquer. Il y a deux petits. On va les laisser. Il y a le feu. On va valider le feu de camp. On va continuer par là. Lui est toujours en vie. Maintenant il est mort. Bon, de l'autre côté, est-ce qu'il y a un nouveau truc hein? Est-ce qu'il y a encore un mini-boss qui est apparu à la zone C'est le retour des macaques. Oh le blanc! Oh les blancs, ils sont vénères par contre! Les blancs, ils sont méga vénères! Hein. Calmez-vous! Calmez-vous! Je vous en prie! Calmez-vous! Oh, c'est... Je les aime pas. Ah! Et lui, on le tient. Et moins un. On le tient, on le tient, on le tient, on le lâche pas, on le lâche pas, on le lâche pas, on le lâche pas celui-là. Faut mourir, monsieur. Monsieur, il est temps de mourir. Merci. Le copain qui se ramène. T'es coincé, mon gars. Allez. Il ne reste plus que celui avec le petit fusil. Au secours. Au secours. Ou est-ce qu'il y a un truc à récupérer là? Je présume que... Non. Vu qu'il y a le feu de camp. C'est non. Là-bas, on était déjà venu, on avait déjà tout fait ici. Ok. Maintenant, allons aux alentours d'Ashina. Ouais, je pense qu'il reste qu'un, voire deux boss à faire. À mon avis, on n'est pas loin de... On n'est pas loin de la fin du jeu, là. De toute façon, quel lieu parfait d'affrontement que celui de la zone de départ, quand on s'était fait pourrir par l'autre, au tout début du jeu. Ça serait une magnifique revanche. Donc à mon avis, on est à la fin du jeu. Mais par contre, ce qui est étrange, c'est que cette zone-ci, les statuettes, on n'avait plus accès au TP.
Donc je présume qu'il y a quelque chose quand même au bout des alentours d'Ashina. On va voir ça. Deuxième collier de perles, et très certainement le dernier. Le père de Robert quitta une terre barbare lointaine pour venir au Japon. Il cherchait la puissance de l'immortalité pour soigner son fils malade. La bénédiction de l'Odo Jouvence en échange de sa formidable puissance. Très certainement la dernière perle de chapelet, à moins qu'il y en ait 10. Mais bon, ça m'étonnerait. Alors. Ouais, donc là, on voit, avant, le pont était cassé. Maintenant, ils l'ont réparé. Donc, bon. Alors, Ashina, nous, on en a rien à péter, hein, pour information. Ah d'accord. Hop. Ah, de la poudre par feu. Ah, il y a un mini boss là, il y a Juzo. Ah, on a aussi le sans-tête à affronter. Il est vrai. Ok, la discrétion, c'est raté. Oh, lui, il est solide, par contre. Hein. Oh, lui, il est très solide. Hein. C'est pas un mini-boss, mais il pourrait. Hein. Il pourrait l'être. Calme-toi. Monsieur, calmez-vous. Prends la max. J'y vois rien. Putain. Lui, il était solide. Morceau de minerai. Lui, c'était un dangereux. Allez, le mini-boss. Shigeshi, le garde rouge. Ok, il crache le feu. Ça part, on restaure notre posture.
fais du feu maintenant. Ah! Non, non, pas le coup de pied! Oh, il est vénère. Hein. Oh, il a une posture. Il faut que je lui fasse des petites attaques et que je me fasse pas attraper. Il a enflammé son arme. Faut jouer sur la rapidité là. Oh, j'ai pris le bout de la lame. Ce n'est pas fini. Il est tendu, hein. Des petites piqûres, des petites piqûres. Faut lui faire des piqûres de rappel. I'm alive. La posture. Le tout pour le tout. Allez. Ouh, il était tendu lui. Ah, il y a encore des perles de chapelet.
Et il y en a 10. Il y en a 10 à récupérer. Bah dis donc. Oh, il m'aura fait transpirer un peu là. Mais c'est bon, c'est une victoire. Sucre de gâchine. Oh non, 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 pas eux. Ah non, 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 non. Il y a un feu de camp pas loin, on va aller jusqu'au feu de camp. On va pas s'emmerder. Ah, il y en a partout. Ils sont dans les murs. Cours. Aïe. Allez. Voilà. Quel enfer. Bon, du coup, on a pas mal d'or. Qu'est-ce qu'on veut prendre, du coup? Ah, ça. Acquérir l'arc du combat un grand moine. Un arc du combat qui ajoute des coups de pied et taillade en coups de pied sauté simple. On s'en fout, nous, c'était notre but, c'était surtout de prendre ça pour commencer à débloquer les trucs. Maintenant, il nous faut la charge de l'ombre. La charge de l'ombre, c'est ici. D'accord. Quelle galère. Je peux passer par là. Oui. C'est parce qu'il y avait des trucs à récupérer. Donc si je les attaque pas derrière. Ah, ça sent l'affaire là. Ça sent tellement la fin du jeu. Il n'y avait rien à récupérer là? On dirait que non. C'est bien, je suis en combat. Mais personne ne veut m'affronter. Bon. Soit. Continuons. Qui me tire dessus? Ah! C'est là-bas. Salut. Aïe! Ah, il m'a mis tellement la max. Morceau de minerai. Ah, c'est bien ça. Ah non, notre copain. Il est mort. Oh, flûte. Ah, c'est nul ça. C'est nul, il est mort. Bon, continuons. D'ennemis là. Sucre de gâchine. Tissu sucre. Des petits sucres. Qui m'a vu? Oula, oula. Oh, il se cachait dans les feuillages. Ah, pour repérer ses attaques, ça va être compliqué, par contre. Hein. Je vois rien. Je vois R. Il faut mourir, monsieur, au bout d'un moment. Non, pas le sucre. Prends des points de vie. Oh, le combat d'aveugle. Le combat d'aveugle. En plus, je suis empoisonné. Quel enfer. Ah, les mecs, ils m'attendent au tournant. Je crois que eux, ce sont les mecs que je déteste le plus affronter dans ce jeu. Surtout quand ils sont plusieurs. Ouh, lui, il a bouffé.
Cocorico, le furet des bois jolis. Oh, il y a encore un troll. Oh, le troll, il faut... Je voulais passer à la solde, mais le troll, je suis obligé de me le farcir. Parce qu'il y a peut-être une perle sur lui. Et puis, il y a trop de trucs à récupérer. Le fuminade de, de mercure. De Malomébou. Il m'a bien coupé. Au passage, il en a profité pour me mettre un petit coup. Garde tes chaînes, toi. Non mais ils sont combien là? Ah! Bah quoi? C'est pas possible, mais c'est que c'est... Mais bienvenue en enfer! Welcome to the hell. Y'a pas un feu de camp après? Le hurlement était intense. Boss, c'est pas le boss du fait, c'est le boss du fait. Démon de la haine, 3 barres de vie. Allez les gars. Au secours! Je peux pas les parer, hein. D'accord. Très bien. Le boss est faisable.
va être compliqué mais pas impossible. Il va être compliqué mais pas impossible. C'est donc ça qu'il y avait au bout. C'est très certainement un boss optionnel, je pense. Faut que je trouve un moyen de l'esquiver, celle-là. Cette attaque, si je trouve pas un moyen, il va me déglinguer. Peut-être que je n'en sais rien. Je sais pas comment l'esquiver ce. Ah d'accord. Aïe. Je ne dis rien, mais j'ai mal. Allez, une mort. Nick. Nick! Voilà le boss le plus dur du jeu. Il met des coups de boule et tout. Peut-être en sautant. Oh là là, mais il me met tellement la misère. J'arrive même pas à avoir sa PM. Il me défonce. Il me déglingue. Oh, on y retournera plus tard. Bon, on essaye un dernier try. On essaye un dernier try sur lui, mais il est trop dur ce boss. Peut-être tu passes de boss moyen à je suis infaisable. Toi et toute ta famille. En plus tu sais même pas qui c'est ce boss. C'est juste cadeau. Voilà un boss sorti de nulle part. C'est pas le sculpteur. Eh, c'est peut-être le sculpteur parce que regardez, il a pas de bras. Et le sculpteur, il a disparu. Tu vois rien. En plus, le pire, c'est que la caméra t'empêche d'y voir.
Allez. Franchement, ce coup, je sais pas comment l'esquiver. Il est infaisable, ce boss. Il est pas battable, là. Mais c'est infaisable. Ce coup là, il est impossible à esquiver, c'est... Comment ? Ouais, c'est bon. Il me gave. C'est très certainement un boss optionnel et là, c'est en train de m'énerver plus qu'autre chose. Du coup, on va pas le faire. Voilà. C'est bon. Ça me gave. Allez. À la revoyure, hein ? Ah, la vallée sous le pont, j'ai pas pris le TP. Flamme de la haine. T'as où je suis. Non mais il est infaisable, soyez indulgents avec moi, il est infaisable ce boss. Hein. Est-ce qu'il y a un passage dans lequel je peux passer voilà. Dans lequel je peux passer derrière. S'il y a le troll là, il y a le géant. C'est bon. Morceau de minerai. Eh, ça fait qu'il nous manque 3 mini-boss à affronter tout de même. Ouais, ça y est, je m'énerve là, je commence à m'énerver sur le jeu. Mais barrez-vous ! Ah, j'en ai marre ! Toujours plus ! Je brûle ! Je brûle ! Ferme ta gueule avec toilette divine là, j'avais plus rien à te péter, c'est bon. Il devient fou. Thank you.
Mais toujours plus! Mais ils sont combien? Nick. Niquez-vous! Ce jeu est en train de me rendre fou. Merde ! Putain ! Mais j'en ai marre de cette caméra à la con, là ! Regardez ça, on n'y voit rien. Je perds pas parce que je suis mauvais. Je perds parce que je n'y vois rien. C'est quand même hallucinant. Bordel. Je veux juste... Elle est morte avec... à côté de son fils. Oh la tristesse. Ils meurent tous. Super. L'attaque qui passe pas. Ah ! Au secours !
Ok, c'est la merde. Oh non! Je me tire, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout ça pour de la merde, certainement, en plus. Mais putain! Oh, c'est bon, là. Allez, mes couilles, hein. Mes couilles sur un ballon de baudruche. Voilà, c'est bon. Non, mais sans déconner, on n'y voit rien. On n'y voit rien. C'est de la merde. Quand c'est comme ça, ça me pète les burnes. Voilà, ça me pète les burnes aujourd'hui parce que je vois qu'il n'y a personne sur la chaîne parce que tout le monde fait du Elden Ring. Voilà, et que moi, j'ai pas eu accès. Donc déjà, ça me casse les couilles. Et en plus, ça me casse les couilles parce que ce jeu, il m'encule à sec. Voilà. Allez. Donc on va en terminer, et c'est bon. Oh mais flûte quoi, au bout d'un moment, flûte! Ah d'accord. Excusez-moi, je craque parce que le boss déjà il était infernal, il est infaisable celui-là. Et tu passes d'une courbe de difficulté à ça va, le jeu est facile. À d'un coup, je... dans tes gueules. Bon, c'est bon. De moment. Est-ce que quelqu'un veut négocier ? Voilà, c'est... Oh. Au bout d'un moment... Merde, quoi. Évidemment, je peux pas accéder aux alentours d'Ashina ici. Qui m'a parlé ? Cerf-volant. Là. Ça y est, le jeu là, si tu t'es moqué de moi, eh ben tiens, cadeau pour la fin, tu vas ramasser comme jamais.
D'accord. Ça te ramène ici? Bon, on va juste prendre 2 TP là-bas et puis basta. Non mais parce que c'est déjà fait, j'y suis déjà allé. Allez, bisous. Ah, ils ont bloqué. D'accord. Ils ont bloqué. Peut-être qu'elle est bien m'attaquer. Elle n'est pas du tout m'énerver. Oh, allez, c'est bon, on va à la fin. Allons à la fin, j'en ai marre. J'aime bien Sekiro, mais j'ai besoin d'en finir avec tout ça. Je préfère affronter ce samouraï là que l'autre. Hein. Sucre de Gokan. Oh, il y a un mini-boss. Allez. On va évidemment se le faire. Comment ça? Il est mort. Mais Genichiro, il est mort. D'accord, donc j'ai droit à 2. Ça va être compliqué ça. Je vois rien, mais putain! Mais ça me rend fou cette caméra! C'est quand même un monde! C'est quand même un monde de perdre à cause d'une caméra! Eh, voilà, fuck! Faut arrêter de faire des combats dans des espaces clos. Va te faire foutre au bout d'un moment le jeu. Allez.
Z. Zénifie-toi, taverne. J'ai envie de manger mon casque. Le live de la haine. Mais j'y vois rien, Kerbera de mes couilles! Voilà, putain! Ça me saoule, mais ça me saoule! Ah, quand les jeux ils sont comme ça là! Ah, ça me pète les burnes! Hein. Ah, ça me les brise! Regarde la caméra! Regarde, putain! Allez, enculez-moi assez! Ah, je deviens fou. Z. Non mais faut pas croire, je m'énerve pas tout le temps. Bon. On va réfléchir. Non pas 340 morts, je n'ai quand même. On a 40 morts. On n'a jamais eu autant de morts que sur ce live. Le vendeur d'informations, il a une toux. Mais tant pis pour lui. On va prendre le combat tranquillement. Là, ils vont la bouffer. Aïe. Bon, ça va, on démarre le combat pas si mal. La posture. On recharge la posture. Heureusement qu'on a cette technique, hein, parce que... Ouh. J'y vois rien. Ça recommence. Ah, j'en peux plus de cette caméra. Allez. T'en as les mineurs, c'est bon. Allez, maintenant, celui-là, il devrait se faire.
La caméra, la caméra. Allez, plus qu'une barre de vie, On se concentre. Hein. Je vais la voir. Oh, j'ai buté l'autre. Il y avait un péon qui était en train de dormir et de regarder le combat. Et je l'ai attaqué à lui. Je vais t'avoir, mon gros. Je vais t'avoir. Oh. Oui. On les a eus. On les a eus, ces petits bâtards. Hein. Mais quel enfer. Oh là là, les deux en même temps. Les deux en même temps, c'était pas facile. Oh, l'autre, il est de retour. Non. Bon, il est tout seul, hein. Il est tout seul, ça devrait être facile. En fait, en un contre un, je suis vraiment bien, mais dès qu'il y a plusieurs ennemis, c'est là où les combats deviennent assez bruyants dans Sekiro, tu vois. Ou quand t'as un boss de 10 mètres de long, là aussi c'est un peu brouillon. Bon allez, on arrive à la fin. Tu veux pas parler? Non. Ben meurs. Alors, ici. Allez. La fin du jeu c'est au bout. C'est à la lumière là-bas. Vous voyez les petites lumières, les petites flammes? C'est là-bas. Je le sais. C'est obligé. Ya! Bon, le boss de fée va pas être si difficile que ça. Ça va être infâme. Je sens que le boss de fée va être infâme. Idole du sculpteur trouvé. Reposons-nous, récupérons nos trucs. Organisons. Ça sent le boss. C'est la zone du départ du jeu où on s'était fait défoncer, donc c'est sûr qu'il y a quelque chose. J'enlève mon idole. Qu'est-ce qu'on met? Sucre d'Ungo. Réduit temporairement les dégâts de vitalité. Vas-y. Ah, juste avant d'aller le voir, il y a un endroit où on voulait aller, dans lequel on n'est pas allé, c'est au sanctuaire intérieur. On va juste parler à la fille et puis après on va attaquer le boss. Enfin, s'il y a un boss, hein. Ce jeudi il va y avoir un boss, mais c'est pas sûr. Miko no shiyou koso. Sumimasen. Okome ga mata. Sayonara anata. Ouais, d'accord. Elle a rien à me dire. Elle n'a absolument rien à me dire. Allez. C'était où? Château Ashina. Près du passage secret. C'est sans doute l'autre là, le samouraï qu'on va affronter. Hein. C'est parti. Clé du passage utilisée. Il nous restait deux mini-boss du coup, il y a 10 paires là. La récupérer, enfin 10 colliers de perles à récupérer. Kuro-sama. Hisashi na, Miko no shinobi. Miyo, fushigiri no mou hito furi. Ah d'accord. Sono yona mono deva. Keshite Ashina no meiun wa. Kawarimasen.
Ok, petite faute d'orthographe, mais c'est pas grave, on a le respect. Mais là, je mets ma caméra direct parce que je sens que ça va, on va se friter direct. Hein. Let's fight. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Oh là! Ah oui, d'accord! Bonjour! Même pas comme ça! Attends, pousse, il faut que je recherche ma posture. Attends. Genshiro. Ah! C'est lui qui a son arc. Alors, comment esquiver ce coup? Je me le demande. Athée. Moi aussi, je vais le faire. Ah bon. Awarena mango no sain negai sha. Washi wa kono ashina o yomigaeraseneba naranai. Pourquoi il y avait papy dans le corps de Genshiro? Et plus jeune. Monsieur Kills. J'ai rien compris. Ah d'accord, 3 points de vie. Ah d'accord, et du coup il utilise le style Ashina en fait. Hein. Il utilise le style Ashina. Ishin Ashina, le maître épéiste. Bon, on est habitué à utiliser le style Ashina. Donc je connais un peu ses coups du coup. Le coup des stocks. Ça, je peux pas. Si je prends les deux, je vais prendre des dégâts. Pour l'instant, ça va. Esquive! Relève-toi, qu'il a plus beaucoup de posture.
Voilà, on récupère un peu de points de vie. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est... sans temps mort. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a une lance. Oui, il a sorti. Salut, Afropuno. C'est le boss de fin. Et il est vénère. J'ai failli la prendre. C'est le boss de fin du jeu. Je sais pas qui c'est. À la base, c'était un gentil, et puis finalement, il est méchant. Et il est sorti du corps de son fils. Alors du coup, on comprend rien. En tout cas, il veut nous buter. Ça, on l'a bien compris. Carrément mort seulement, ouais. Après, il y a un boss qu'on a pas fait. Aïe. Il y a un boss optionnel, là, le démon de la haine. Lui, il peut les surfer. Bon, je le fais pas. Attends, pousse! Pousse! En vrai, c'est correct. 40 morts? Ouais, c'est correct. 40 morts, c'est... On a même plutôt bien roulé sur le jeu. Il y a plein de boss qu'on a Fox Try. Bon, lui, il y a peu de chance qu'on le Fox Try. Il y a peu de chance qu'on le first try, mais on essaie, c'est un bon premier try pour l'instant. On maîtrise bien. On maîtrise bien. Il nous maîtrise bien, mais ça va. Oh, on est mort. Mais c'était un bon premier try. Le streamer est vieux, mais il a encore gardé de bons réflexes. Le vieux monsieur. Ah, je suis content de te voir parce que jusqu'à présent, là, j'étais tout seul tout au long du stream. J'avais envie de péter un. Ben, j'ai pété un plomb. Un viewer de l'ombre ici présent qui pourra en témoigner. J'avais envie de crever. Mais bon. Allez, c'est reparti. Donc là, il y a Genichiro qui fait « Ouais, je suis de retour, j'ai capturé Kuro, j'ai la lame de la mort, je peux le blesser. » Kuro qui fait « Oui, il faut buter ce mec, sinon on pourra pas sauver Ashina. » Blablabla, blablabla. Un truc comme ça. Et Genichiro, elle dit « Ouais, je vais te casser la gueule. » Et puis voilà. Et tu vas voir. Mourir, monsieur. Ah, et la phase 1, on la gère bien. La phase 1, on la gère bien. Voilà, P1. Ah ben bravo, je suis spoil le jour où je voudrais faire le jeu. Chef. Oh, je te laisse juste le passage pour que tu comprennes tout le côté what the fuck de la situation. J'ai eu le temps de filmer deux minutes de... me reposer là. Naga. Yuin ga kono kuni o ikasu.
En tout cas, je suis content de te voir. Écoutez, hier, je devais streamer de 14h jusqu'à 18h. Et puis finalement, madame m'a dit « Non, tu viens à l'anniversaire de l'autre gamin, de ma copine avec moi. » Et donc, du coup, je n'ai pas pu streamer. Donc, j'étais un peu dégoûté. Regarde, il y a papy qui sort du corps du petit-fils. Cette phrase n'est pas à sortir de son contexte, d'ailleurs. Voilà. Et du coup, on affronte papy. Mais on sait même pas pourquoi on l'affronte. Hein. Mais oui, ça n'a aucun sens. Surtout qu'il est mort, papy. Hein. Monsieur Kills. Maïre, Sekiro. Et il utilise tout aussi la Shina, donc toutes nos compétences, là, il les a. Ouh là, on la maîtrise bien. Je peux peut-être l'avoir sur la posture, là. Non, je vais pas l'avoir sur la posture. On va peut-être l'avoir sur la posture, là. On est pas mal, on est pas mal. On maîtrise, papy. Papy, on te maîtrise. Oh la P2, comment on l'a défoncé! Ouais, il sort avec son casque en plus, c'est vrai! Tiens, papy, ramasse! Papy, attends! Attends, papy! La posture. Moi aussi, je sais le faire. Alors, ce coup, il est gratuit. Quand il nous fait une attaque sautée comme ça... Ah! Oula! Quand il nous fait une attaque sautée, elle est gratuite. C'est vrai qu'il sort avec son casque. Le maître épéiste, c'est le gars, on vous dit que le mec avait une lance dans sa main. Non, mais genre, il sait combattre avec toutes les armes. Pousse. Après, au pire, on a des statues recouvertes pour récupérer nos raises. Ouh là, j'ai failli la bouffer celle-là. Petite boulette. En plein dans le dos. Ah, cette attaque, elle est totalement gratuite à chaque fois. Attends! Et la P3, on n'y a pas été. Oh la boulette. On a récupéré notre res. Oh là! Oh là, il fait des éclairs maintenant! Ah! Attends, pousse, papy! Elles sont où nos statues? On peut en avoir qu'une sur soi. D'accord, c'est la baise.
On va tenter le all-in. Non! Waouh! Waouh! Je sais pas comment je l'ai esquivé! Sans doute un coup de chance. À tes papis! Attends, attends, pousse, pousse. Pousse, attends, attends. Arrête. Attends. Ah, c'est bon. C'est pas bon. Allez, on y retourne. Je suis choqué. J'y vois rien. Et moi déçu. Cette attaque elle est gratuite hein. J'ai plus de quoi récupérer mes points de vie. T'as fait choquer déçu. Oui, je l'avais compris. Alors, je concentre là. Je peux plus récupérer mes points de vie. Là. C'est le all-in, le tout pour le tout. Ah ! Ah ! Et là, il y a une P5. J'en peux plus. On est à 2 morts. Hein. 42 morts. Le mec, son katana tire des grosses bastos. Oui. Ah, j'ai plus de statuette de Jinza. Ah, je l'ai dans l'os. Presque, mais pas. Oui. Allez, on y retourne. Non, ça va. On maîtrise bien la P1, la P2. La P3 est encore à peaufiner, même si on a pas mal géré. C'est surtout la P4 qu'il faut faire. La blabla. Bien joué! Laisse-moi récupérer ma posture. Thank you.
Et non, on a fait la paix. On a plus mal démarré par rapport à tout à l'heure, mais. Je t'ai vu venir, mon gros. Enfin, mon gros. Donne-moi l'idée d'être homophobe, d'être grossophobe. C'est gentil d'attendre. Il a bugué ! Non, il a pas bugué. Le gros sofa. Aïe. J'ai envie de manger mon casque. Mon micro. Là, j'utilise pas de soin. Si j'arrive pas à le battre sans utiliser de soin, on est bon pour recommencer. Raté. D'accord. Allez, on récupère notre res. J'ai mal. Oh mais genre ! Ça. Ah, j'ai même pas récupéré mon res. 43 morts. Tavernier, parfum, envie de crever. Nul. Ouais, c'était pas un bon try. C'est pas un bon try. Non, on va y arriver à finir ce jeu. Et comme ça, on fera du Age of Empire. Et je me concentre. Grosse merde! Je vais te défoncer. Salut Morimoto. Je vais la voir. Je vais la voir. Comment ça va Morimoto? Je vais t'avoir, Ishin. Recule. Ça va bien. Et toi? Je pète la forme. Je veux la voir là. Je le lâche pas. Je le lâche. Je vais la voir. Je connais le Kung Fu, je connais toutes tes techniques. Prends la P2, on l'a géré. Tu changes de délire. Ah ouais, là c'est... Sekiro, c'est un gros délire, Sekiro. Après Dark Souls 3, on fait Sekiro. Mais là, c'est la fin. Ah, je vois plus où les... «
suis chaud là. Là, je suis chaud. Je suis pas chaud. C'est pas Warhammer. Non, c'est sûr que c'est pas Warhammer. Attends, pousse. Je reprends ma vie. Ah, on avait dit pousse. Je te tiens. Je vais la bouffer. Je vais la bouffer. Non. Je m'en fous, je suis pas mort. Je ne sais pas encore, mais je ne suis pas mort. Ah. Les petites boulettes. Ah, les boulettes. Calme-toi, Ishin, calme-toi. On peut négocier. On peut négocier. Calme-toi. Ça peut plus. Tiens, je te tiens. Je connais tes techniques. Non, pas celle-là. Allez, on va l'avoir sur la potion. On peut l'avoir sur la potion. On recharge la nôtre, on recharge la nôtre. Le sucre. C'est quoi ce sucre? C'est la première fois que j'utilise, j'ai plus de points de vie. Où sont passés mes points de vie? Pourquoi j'ai pris ce sucre? Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Allez. Ouah. Ah. Non, je suis mort. Pourquoi j'ai pris ce sucre? On disait qu'on était à 41 morts, hein, c'est ça. Hein. J'ai mal à la tête, j'en peux plus. J'ai ces bruits de lance qui me hantent. Enfin, pas, cette phrase n'est pas sortie de son contexte non plus. C'est quoi le sucre que j'ai pris? Réduit la moitié la vitalité, la posture max, mais augmente grandement la puissance d'attaque et les dégâts de posture. Ah d'accord. Bon ben on le prend plus. Je vais prendre tous les autres sucres, voilà. Oh, on n'était pas loin. On avait fait un bon try là. Allez, on y retourne. On joue plus de souffrance. À quoi tu joues, Morimoto, en ce moment? Quel est ton dada? Toujours Yakuza? T'es mauvais! Ah! Putain! Mais fous-moi la paix, Genshiro, là! Attends, pousse! Arrête avec ton arc. Là, si tu me demandes. Ah, tu l'as pas fini? Putain! Arrête de lire le chat, tavernier! Bon, alors celle-là, c'est un try raté. Hein. C'est même pas la peine de ressusciter, là. Odyssée. Abbé? C'est quoi ça? Abbé? Abbé, abbé? 45 morts. Hein. On va la voir. Je sais qu'on va y arriver. Hein. Je suis content de vous voir parce que là, je vous dis, un début de jeu, comme je disais à Fropruno en début de soirée, putain, en début de journée, j'avais personne. Hein. La souffrance. Émission secondaire? D'accord. Ouais, il doit y en avoir pas mal. Hein. Allez. Cette fois,
je suis début de soirée. Non, mais j'ai envie de crever, là. Je suis dégoûté hier de pas avoir pu streamer, là. De 14h à 18h, c'était bon, c'était chaud. Et là, il y a tout le monde qui joue à Elden Ring. Et du coup, j'ai personne. Il est 15h53. Ouais, mais il fait tellement mauvais que t'as l'impression que c'est la nuit. C'est un jeu PS4, hein. Je te dis CAB. D'accord. Ouais, cette fois, je suis à fond. Ah, il a retardé son attaque! Mais faut arrêter là! Mais arrêtez, monsieur! Bon, là, je te lâche plus. Genshiro, je te lâche plus. Je te lâche plus. M'en fous si je meurs. Le petit bonbon. Le petit sucre. Et on y va. Il nous sort encore des nouveaux coups. Oh genre, je l'avais esquivé, celle-là! Tout le monde l'a vu! Sauf lui. La pastaga. Oh, j'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Je suis mort. Attendez. Dans ces moments-là... Il faut devenir Bouddha. Un échec cuisant. J'avoue. Attendez, petit étirement. Allez. Ho, hé, ho, hé, ah. Il y a tout qui est raté aujourd'hui. Il y a tout. Heureusement que vous clippez pas ça. De toute façon, vous êtes pas des clippeurs. Ah si, Afro Pruno, à un moment, tu clippais tout le temps. Ah, j'ai mal. J'ai mal à mon coude. Bon. Cette fois, je suis focus. Je ne regarde pas ce que vous dites. Je verrai le chat bouger, mais je ne regarde pas ce que vous dites. Hein. Quand la connerie est bonne, je clippe. Allez. Ah ! Merde ! Mais pourquoi ? Allez, je sais plus, allez, 48, je sais même plus. Allez, cette fois-ci, je suis focus. Il se suicide. Merde. Et j'imagine pas le boss, là, comment il doit se fendre la gueule. Mais genre! Ah.
Voilà, ça c'est une P1 maîtrisée. Ça c'est une bonne P1. Ça c'est une mauvaise P2. On n'oublie pas. Bravo pour le clip. Merci. Et encore, tu m'as pas vu me jeter dans le vide là. T'as raté un moment. Et ouais, t'as raté. T'as raté un autre clip. Allez, je me concentre là. Mais putain, mais vas-y, mais nique-toi, Ishin. Laissez-moi jouer Yakuza. Je veux rejouer Yakuza. Le suicide stream, c'est sous-côté. Focus, on reste focus. Là il va sortir sa lance. Ça. Voilà. On en profite, on lui met quelques coups. Ah ça rend... Oh là là ! Pousse ! Mais vite, vite ! Tiens, prends-en. Si ! Ah ! Tôt.
Qui t'es où? Oh, je l'ai renvoyé! On a trouvé une technique! On peut lui renvoyer! On peut lui renvoyer son attaque éclair! Pikachu! Attaque éclair! Pas de précipitation, surtout pas de précipitation. On lui fait des petits coups, des petits coups. Que ma posture est hyper lente à recharger là. Il a pris un petit coup. Je vais t'avoir, mon gros. Bouffe ! Bouffe ! Yes ! Oui ! Chiné ! On l'a eu! Succès déverrouillé. Ishina, le maître épéiste. Et du coup, on a récupéré son souvenir. Au sommet de sa puissance, Ishina cherchait chaque jour à combattre pour développer sa force. Une machine à tuer n'ayant qu'une chose en tête. Et on récupère une nouvelle technique. Ah. C'est la fin du jeu. Vous avez battu de nombreux adversaires extraordinaires. Et vous pouvez les affronter de votre mémoire au cours d'une série de combats. Pour se faire sélectionner des défis de force. Mais ça, vous savez. Affronter ses souvenirs est comme découvrir de nouvelles possibilités. Ce qui était inconnu pourrait même se dévoiler. Quoi ? Défi de force, la voie héritier des vins a été déverrouillée. La voix de rupture. T'as lu le créateur des Chines. Ah bravo. Donner les larmes du dragon divin. C'est fini. On a roulé sur tout le jeu sauf sur les deux derniers boss. Hein. Dont un qu'on n'a pas battu du coup. Les démons de la haine là. Dieu no namida.
Ah. Attends, c'est nous qui sommes devenus le nouveau sculpteur ? これはやはりあなたが持っていてください。La prothèse. また新しい忍びが。力を求める時が来るでしょう。Et c'est fini. Donc c'est nous qui devenons le nouveau sculpteur. Alors je sais que dans le jeu il y a des fins différentes. Je présume qu'il y a une fin où on peut sauver Kulo, mais à part voir les Solus, je sais pas comment j'aurais pu la trouver. Pourquoi on devient nouveau sculpteur? Alors je sais pas, c'est bizarre. La Shadow est dit twice. Je sais pas, tu demanderas au développeur. Un très bon jeu. Un très bon jeu, très différent des Dark Souls. Du coup, très 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 différent des Dark Souls. Oh, je l'ai trouvé, à part sur le boss de fin et le démon. J'ai trouvé le jeu quand même relativement facile, personnellement. C'est sans doute lié au fait que... On arrive à être beaucoup plus mobile. Commencez la partie numéro 2 maintenant. Il nous reste un quart d'heure. Allez, vous savez ce qu'on va faire ? On s'en fout. On va juste aller sur le premier boss. Et normalement, on nous bat. Et Genchelo. Et on va voir si on arrive à le battre. Oui, blabla. On connaît. En plus, je démarre avec toutes mes fioles. On va juste voir si on arrive à le battre. Hein. Ça va être rapide pour l'atteindre. Et le jeu, je l'ai trouvé fort sympathique. Très différent des Dark Souls. Il faut pas le prendre comme un Souls, à mon avis. Il faut le prendre comme un jeu From Software, hein, mais pas comme un Souls. Et il me tarde de jouer à Elden Ring. J'esquive tous les spoils. Mais il est très sympa. Il est vraiment très sympa, le jeu. Mais plus facile. Hein. Hop là. Donc là, on démarre le jeu. Il y a Kulo qui est enfermé ici. Il doit très certainement y avoir un moyen de le sauver à Kuro. Est-ce que j'ai gardé tous mes objets? Alors, j'ai tout gardé. J'ai tout gardé, même les plaques mines. D'accord. Par contre, on n'a pas gardé les trucs qu'on récupère sur les serpents géants. C'est peut-être lié à la fin du jeu, du coup. Parce qu'on a buté les serpents, mais... on sait même pas pourquoi, au final. En tout cas, c'était très sympa. J'espère que vous avez apprécié de suivre le stream. 48 morts. Ça va, c'est un score honorable. C'est un score honorable. 48 ou 49, je ne sais plus. Et du coup, pour le New Game Plus, on garde toutes nos armes. Hein. J'ai limite envie de le continuer en New Game Plus, mais bon. Hein. On a voté pour le prochain jeu et ce sera Age of Empires. Ah ben moi, je serais mort 0 fois. Ah ben bravo.
Donc là, il y a Kuro, blablabla. Il donne notre épée. Héritier divin ne doit pas être abandonné. Blablabla, ouais, blablabla, de Kuro, tout ça. Soyons amis pour la vie. Vous avez choisi la voie de la difficulté. Ah bon? Ah, j'ai donné un char, mais en fait, si je le gardais, c'était plus facile le jeu. Ah ouais. Ah, on voit en bas sous ma barre de vie, on voit que j'ai augmenté la difficulté. Est-ce que je peux le récupérer? Non, je l'ai dans le cul. D'accord. Donc c'est un New Game plus. Ah oui, il résiste bien au coup, alors que ce sont des ennemis basiques. Allez, viens, mon gars. Ah, oui, c'est vrai qu'on n'a pas, les outils de prothèse, là. On n'a pas droit au bonheur. Oh putain, ils me mettent cher, hein. Les ennemis de base qui me mettent cher, du coup. Après, on a toutes nos gourdes, donc ça devrait bien se passer quand même. Ça va mal se passer. Ah, de pas avoir mes shurikens, ça me gêne. Hein. Il y a des outils, franchement. Alors, je sais pas si on a, en fait, si on n'a pas trouvé l'utilité, mais par exemple, le doigt. Totalement inutile. À 2 points de vie, lui, carrément. Pourquoi j'ai utilisé ma potion, je vous le demande. Bon, le mini boss easy. C'est pas le boss, ça. La mini boss. Hein. Le boss, il est là où on était tout à l'heure. Hein. Et c'est Genichiro. Attendez. On va y arriver en 2-2. Ah! J'ai glissé, chef. Oh, le démon de la haine en New Game plus, j'imagine même pas l'enfer. Hein. C'est le seul boss qu'on n'a pas fait finalement. La bebla. En fait, la plus grosse difficulté de Sekiro, en vrai, quand on y pense, c'est sa putain de caméra. Allez, on y est. Mais j'ai bien aimé, en tout cas. Le jeu, je l'ai beaucoup aimé, même. Il était assez chouette. Une courbe de difficulté normale, bien dosée quand même. À partir du moment où on sait bien faire les parades parfaites sur les boss, c'est pas mal. Rappelez-vous, c'est là où nous étions tout à l'heure. Hisashina, Mikoyo. Oui, c'est la pète. Ojiue no bozen irai ka.
Et on remarque qu'il a le même casque que papy. Du coup, si on le bat, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qu'il faut se dire. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que normalement, on est censé perdre et du coup avoir notre bras qui est découpé. Et à ce moment-là, on récupère les outils de prothèse. Mais si on le bat, est-ce qu'il va nous couper le bras? Ou est-ce qu'ils vont nous faire une feinte? Nous allons voir si on survit. Fais gaffe parce que là on n'a pas de résurrection. Oh, qu'est-ce qu'il recharge vite sa posture. Je fais que des parades parfaites, hein. Je suis obligé parce que sinon il me met énormément de dégâts sur la posture. Hein. Prenons pas de risque, prenons les potions quand on le peut. Allez, la P1 c'est fait. Ah si, tu travailles, je peux te le dire. Oh! Il reste peu d'ouverture. Le contre des stocks. On recharge notre posture parce que ça va pas du tout. En tout cas, Genshiro, c'est un boss qu'on maîtrise. Hein. Il a failli me one shot. T'es mort, Genshiro. Genshiro, laisse tomber. La posture. P1.
est foutu. Voilà, donc là on est censé perdre notre bras. Et alors, il dit qu'il nous avait défoncé la première fois qu'on l'avait rencontré. Oh la facilité! La facilité scénaristique pour avoir les outils de prothèse. Oh! Genre il se la pète alors qu'il a eu du cul d'avoir un mec crade au but de but, t'es foutu. Miko a moratte. Ah, c'est pas la peine de te la péter, Genichiro. Et oui, parce qu'il est censé aussi capturer Kuro, donc c'était obligé. Oh l'arnaque. La grosse arnaque. Après, ça change peut-être des trucs pour plus tard. Peut-être. J'ai un doute quand même. Ça se trouve, ça va pouvoir nous permettre d'accéder à la bonne fée. Et donc là, on a le précédent sculpteur. Mais est-ce que du coup, ce sculpteur, ça serait pas le nous du New Game normal là? Enfin, de la première partie. Bon, là, on passe. Hein. Est-ce que, parce que regardez, là, il me donne la prothèse. Souvenir d'un autre Ashina. Un souvenir laissé par un autre. Concentrez-vous sur ses regrets ou ses obsessions inutiles pour changer la forme du loup. Ça n'affecte pas ses compétences. Ce souvenir appartient à un ancien serviteur d'Ashina. Il accepte de perdre un bras et de prendre le nom de Sekijo. Une dette doit toujours être payée. Car c'est le souvenir histoire de boucle de Souls-like. Mais ouais. Les souvenirs des regrets ou des obsessions abandonnées par d'autres. Accéder à ses pensées intimes via une idole du sculpteur permet au loup de changer de forme. Sans que ça modifie ses compétences. Affronter les regrets d'un autre n'est que d'état temporaire après tout. Parce que là du coup, en fait, il a les mêmes habits. Hein. Et ce mec, à la fin, il y a un boss qui s'appelle le démon de la haine. Lui, il est enfermé ici. Et en fait, à partir du moment où il y a plein de talismans, et à partir du moment où Ashina se fait envahir, il a l'air de sortir, du coup. Et de foutre ce bel. Et il devient démon de la haine, un boss que je n'ai pas pu battre. N'est pas la sèche simple qui est pratique. Ah, on peut reprendre le charme de Kuro. Voulez-vous vraiment reprendre le charme et éviter des difficultés supplémentaires? Vous ne pourrez pas revenir sur cette décision pour cette partie. Et il a le charme de Kuro. Donc, alors qu'on vient de donner le charme de Kuro. Donc il est possible que ce soit le nous du passé. Je peux améliorer encore mes outils de prothèse. Il y a plein d'outils qu'on n'a pas utilisés, genre Sabimaru, on l'a quasiment pas utilisé. Les pétards, on les a pas mal utilisés avec les shurikens. La lance, jamais. On n'a jamais compris comment l'utiliser, cet outil. La hache, on l'avait utilisé une fois, et puis ça nous a saoulé. L'éventail, jamais. Le parapluie, on a pas mal utilisé, avec notamment le parapluie qui nous permet de protéger des attaques des esprits vengeurs. Mais... Ouais. On va juste aller au feu de camp et on va s'arrêter. Eh, pourquoi il y a un truc à récupérer là? Des boulettes, d'accord. Le menu changer de forme a été déverrouillé, d'accord. Le menu défi de force a été déverrouillé. Le menu défi vous permet d'affronter à la suite des adversaires extraordinaires que vous avez déjà combattus. Ah ouais. Ah, je peux utiliser mon souvenir d'ailleurs. Améliorer la puissance d'attaque. Revenu de l'autre monde dans la fleur de la jeunesse, Ishin participa à tous les combats à vie de pouvoir. Il fut enfin exaucé et mourut au combat. D'accord. Là, je peux encore acquérir des compétences.
Ah, donc je peux... D'accord. On peut changer d'apparence. Ah, c'est marrant, ça. Hein ? Ouais, ça change pas les compétences. Ah, j'avais plus mes arts de combat. Ah, il est où, mon art du combat, là, que j'avais récupéré ? Oh, je l'ai plus. Oh, la haine. Parce que c'était sur un boss, hein. Oh, la haine. Bref, on va s'arrêter. Bon, mais c'était Sekiro, Shadow Die Twice. Je pense pas qu'on y rejoue de sitôt. Mais c'était un bon jeu. Moi, je l'ai bien apprécié. Je vais pas vous envoyer en raid. Vous êtes trois. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté qu'il y avait Elden Ring aujourd'hui, là. Putain, du coup, tout le monde regarde Elden Ring. N'oubliez pas de follow la chaîne, bien évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ah, ça y est. Ah, c'est pour ça que j'ai eu un pic. Il n'y a plus personne qui fait... D'accord. J'ai eu un pic à un moment de viewers. Je me disais, tiens, c'est marrant, il y a plein de gens qui arrivent, mais c'est normal. Car plus personne ne joue à Elden Ring. Plus personne, hein. Et non. Lol. Ah, l'arnaque. Le dégoût. Bref, du coup, le prochain stream aura lieu dimanche soir, peut-être dimanche après-midi, je ne suis pas sûr. Mais ça sera très certainement dimanche soir, soit sur Age of Empires, soit sur la nouvelle campagne de Total War Warhammer 2. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup à Fonpruno, merci beaucoup à Morimoto, merci beaucoup à tous les viewers de l'ombre. Donc du coup, on se donne rendez-vous dimanche soir, au pire à 23h30. Et sinon, avec peut-être un peu de chance, dimanche après-midi, mais ça m'étonnerait. Passez une très bonne soirée et merci encore. Portez-vous très bien et à très 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 vite.